Ah oui, on est bien ensemble. D'ailleurs, si j'ai fini avec un là c'est mon téléphone, je pourrais pas ok d'accord okay. Bon, pendant que comme on a plus de temps on va lancer cette session sera une session consacrée à quelque chose qui nous a créé beaucoup de problèmes. Et by the way, faut que je me présente. Il y a beaucoup de gens qui me voient et me connaissent pas. Je m'appelle Jean Bosco Fanny. C'est le nom que mes parents m'ont donné à ma naissance. J'ai gardé ce nom. Et. Comment? Et vous voyez, c'est justement ce que je disais juste avant, on a plus assez de temps. Donc, il est impératif que nous avançons un peu avec cette session qui est consacrée justement aux différents scénarios. Possible de l'après-bien et la nécessité
d'une transition politique au Cameroun. Et pour ceux qui ne le savent pas, seulement utiliser ce mot transition politique nous a créé tous les problèmes du monde. Je viens de Boston et il y a beaucoup de gens qui voulaient bien venir avec moi. Et je me suis arrivé à Paris. À Paris, on devait avoir deux bus de 30 quelque chose de place qui devaient venir. Des gens qui s'étaient déjà inscrits et qui étaient en route pour venir à Munich. Mais à cause de ce petit mot transition politique et de l'historique, de l'histoire qui se retrouve derrière, nous avons eu tellement de problèmes dans la transition où mon ami Essoré, ministre de l'enseignement supérieur, le docteur Essoré, Kawala est ministre de la justice. Et toi-même Non, personne ne peut jamais me nommer ministre, je suis pour rien. Ou Maître Alice comme ministre de la justice ou je ne sais pas quoi. Donc je prends cette histoire pour faire comprendre que nous sommes dans une phase extrêmement importante de discussion qu'il ne faut pas blaguer avec. Il ne faut pas blaguer parce que la nécessité de la discussion de cette chose est importante. Comme le disait encore mon coordonnateur il n'y a pas très longtemps, le CPD a été créé pour un débat intellectuel, non seulement un débat intellectuel, mais un apport intellectuel dans la lutte de la libération du Cameroun. Parce que M. Biya, c'est un homme assez fou, comme l'a dit son illustre prédécesseur, et tous ceux qui sont fous sont extrêmement dangereux. Et si vous ne prêtez pas attention au danger qui nous suit, nous les intellectuels avons l'obligation et le devoir de travailler sincèrement pour changer les choses dans le bon sens. Et comment est-ce qu'on peut le faire? N'est pas intellectuel celui qui a un doctorat. N'est pas intellectuel celui qui a un diplôme. Un intellectuel, c'est celui-là qui peut utiliser son cerveau pour apporter quelque chose à la société. Et je peux vous dire que quelqu'un comme Bill Gates, puisque je vis aux États-Unis, est un intellectuel qui n'a même pas fini la deuxième année universitaire alors qu'il était à Harvard. Mais il a révolutionné le monde avec son intellect. Il a créé l'ordinateur dont maman parlait tout à l'heure, dont elle a élaboré sur beaucoup de formes. Et je pense que nous devons être comme cet ordinateur-là, travailler ensemble, malgré tout ce qu'on dit les uns les autres. On dit tant de choses de moi. Lisez-le, prenez-le comme vous le voulez, mais moi ça ne dit vraiment rien, ne vous inquiétez pas. Donc, sur ce plan, en tant qu'ancien étudiant parlementaire, des années 90, exclus de toutes les universités du Cameroun, je voulais d'abord à cette illustre assemblée demander pardon. Et permettez-moi de le faire parce que je le fais partout. Je l'ai fait au Game Over à Washington DC où j'étais, parce que quand on parle de la basse, il faut vraiment savoir qui fait partie de la basse et qui ne fait pas partie de la basse. Faisons très attention quand on appelle la basse. La basse, c'est un ensemble de choses dont nous tous ici pouvons faire partie. Donc je voulais d'abord dire I'm sorry. Sorry parce que quand nous sommes partis du Cameroun en fuyant dans les années 90, nous avons laissé ce que les anglophones appellent un plein fil à monsieur pour nous faire tout ce qu'il voulait. Je crois sincèrement que si nous n'avions pas quitté le Cameroun en fuyant comme nous l'avons fait, monsieur bien serait parti aujourd'hui si nous étions restés sur le terrain. Et je regrette cela en tout cas. Je crois que politiquement, pour moi, c'est la plus grosse erreur que j'ai commise dans ma vie. Je serais quand même parti du Cameroun. J'aurais accepté de mourir là-bas, comme beaucoup de Camerounais qui sont en train de mourir aujourd'hui. Donc, depuis 2015, parce que le CPD a été créé dans les années 2014, nous avons eu environ 3 conventions. La première, c'était en 2015. Juste pour que vous le sachiez, nous avons invité à l'époque beaucoup de leaders politiques, à savoir le Cabral Lili, qui était prominent, qui était très prominent, je vais les citer en bas, qui était très prominent avec les jeunes sur le terrain et comme ça. Je vais vous dire pourquoi, j'ai pris un exemple. Parce que nous croyons que quelqu'un comme celui-là étant sur le terrain avec les jeunes, il pouvait passer notre message. Nous avons eu les Elimi Lover qui étaient là avec nous. Et parce qu'on les était dans les médias, ils bavardaient beaucoup, nous écoutions. Nous croyons qu'on pouvait discuter avec eux pour faire ce qu'on pouvait faire, ainsi que le docteur Fomunion, ainsi que le docteur Lacquet, qui est un jésuite, et vous avez une historique, je ne veux plus aller là. Et après, nous avons eu, ça c'était à Paris, et après Paris, nous avons eu Bruxelles, où nous avons eu des politiciens aussi, comme M. Matamba, à qui nous avons confié des tâches, parce qu'il faut qu'on soit clair. Vous n'allez peut-être pas voir pourquoi je vous dis ça, mais vous allez
pas le processus de la discussion, vous allez comprendre. Comme le docteur Cuisi et Maître parlait aussi tout à l'heure de Abobala. Abobala était avec nous à Bruxelles. Et il y a une raison derrière. Et cette fois-ci, nous avons le privilège d'avoir notre maman, Alice, d'avoir Karl et d'avoir Maître Sim. Le docteur Fomuyom devait être là. Au-delà des trois que je viens de donner, Elie Smith devait être là, avec les billets d'avion achetés. Fournion devait être là lui aussi, le docteur Fournion, s'il vous plaît. Monsieur Denis Kamlin, excusez-moi si j'appelle. Devait être là, les billets d'avion achetés. Monsieur Simon Mounsou devait être là. Parce que dans ce débat, nous sommes en train de parler justement des scénarios possibles de la paix et la nécessité d'une transition politique. Nous avions dans notre subconscient de discuter le problème anglophone, de mettre sur la table et de voir comment ensemble on pouvait prendre ce problème anglophone pour pouvoir faire une certaine transition avec ce qui se passe sur le terrain aujourd'hui. Vous voyez, je vous ai donné des noms et tous ces gens, toutes ces personnes-là, nous avons discuté avec leurs leaders, tous. Moi, personnellement, je l'ai fait avec certains d'entre eux. Le docteur Esso l'a fait. Le coordonnateur qui est là, il l'a fait. Vous voyez que nous, on vous donne directement en face les scénarios et les différents niveaux. Level, hors de level, je vais parler en français et en anglais parce que je parle un peu de deux langues, même si elles ne sont pas bonnes, ainsi que ma langue maternelle, un peu d'espagnol. Pour vous dire que we try, we really try to for an inclusive discussion. Here with everyone and all the actors particularly in Cameroon, because since I've been talking about the different phases and the three sessions that we had talking about CPD, you guys see that we always invite Cameroonians from the inside. As Mrs. Kawala said earlier, it's not us from the diaspora that can topple there from wherever he is. It is people who are in Cameroon. How can we help those people? That's what we are calling as transition. How can we do this, make this happen? We understand that at some point, people like Professor Maurice Kamto came into the game. I personally discussed with them, Maurice Kamto and many other people, like all of us here. And in the CPD, our decision was, we are not going for any election in Cameroon. Why are we not going for election? We did it in 1992. Frundi won the election. What did we do with? Nothing changed. And Mr. Bia is still there. Count 92 to 2019, and you can make the difference and see how many years. At some point, we went to negotiation with what we call the tripartite. We all know what happened with the tripartite. Mr. Bia played a big game and turned us into, I don't know, we became a little ridiculous in front of what happened with the tripartite. When in many other countries, things went well, and we saw changes. And comme un étudiant parlementaire, nous avons migré en Afrique de l'Ouest. Nous avons aidé beaucoup de jeunes en Afrique de l'Ouest, j'ai fait partie, je peux les nommer, je les connais, à changer leur pays, aussi bien en Côte d'Ivoire qu'au Niger qu'au Burkina Faso. Ne pensez pas que ce qui s'est passé dans ces pays-là, nous avons migré du Cameroun, on a traversé le Nigeria à pied, sans chaussures. Hein, je me rappelle avec mon ami Tedesop Ouléou. Nous n'avions rien, on nous a complètement dépouillés au Nigeria pendant que nous traversions pour sauver nos vies. Et ça, c'est la plus grosse erreur que nous avons commise, je le dis encore. Traverser le Nigeria, le Bénin, le Togo, arriver au Burkina Faso, exclus de toutes les universités du Cameroun, comme des pays de l'Afrique de l'Ouest. La raison pour laquelle je vous dis ça, c'est parce que ceux de nos amis, ceux de nos camarades, qui vont dehors, nous appelons trèfle, comme a dit quelqu'un ici, vous nous donnez encore en pâture à M. Kouya. Nous filmer. Je ne pense pas que c'est ce que vous voulez aujourd'hui. Faites attention à ce que vous dites, la manière que vous le dites et où est-ce que ça peut nous amener. Aujourd'hui, comme on le dit chez nous, quand on parle des ignants, il y a des ignants que quand vous mettez dans la marmite, vous préparez, ça ne cuit jamais. Je suis la qualité d'ignant, je ne cuis plus. Donc on peut tout dire de moi ou de beaucoup d'entre nous, ça ne changera rien. Mais essayez qu'ensemble, nous essayons de faire ce que nous avons à faire pour que le Cameroun puisse changer. Et sur ce plan, ces scénarios, les scénarios possibles de la paix et la nécessité d'une transition doivent être débattus ici sur deux formes. La première forme, c'est qu'on va permettre à nos invités, parce que c'est ces invités qui sont là,
à être capables de débattre des différents points qu'ils ont pour nous ou qu'elles ont pour nous. Et Maître Alice sera la première à discuter ce point, suivi de K qui a quelques slides pour nous. Et ça, il faut que ça soit très court parce qu'on est en train de nous chasser. Et sur ce, je pense qu'on aura une déclaration qui sera travaillée parce que nous ne voulons pas que des gens partent d'ici et disent « Oh, on a mis ceci dans la déclaration, mais moi je n'ai pas approuvé, je n'étais pas d'accord avec ça. » Et il y aura des deadlines par rapport au suivi des résolutions que nous voulons placer. Nous, on veut justement que vous participez pleinement pour que ça, quand ça, c'est dans un document que vous approuvez ce document-là sans vraiment en discuter. Ça, c'est essentiellement ce que je voulais vous dire ici ce soir. Et je souhaiterais que Maître prenne la parole une seconde avant de démarrer. Donc, nous allons devoir continuer dans une autre salle parce que voilà, notre délai ici, apparemment, est à signer le contrat jusqu'à 21h. Mais apparemment, sur les fiches que le concierge a, c'est que nous avons cette salle jusqu'à 18h. Mais sur le contrat, c'est que c'est jusqu'à, nous avons la salle jusqu'à 18h. Jusqu'à 21h. Bon, on ne veut pas créer un incident. Le conseiller nous a donné une autre salle à notre demande qui est également très confortable, en forme de table ronde. Nous allons continuer les discussions là-bas. Donc je prie les uns et les autres de ramasser leurs affaires et que nous puissions libérer la salle. Nous sommes désolés pour cette La personne va sûrement réclamer. Where are we going? Il veut bien l'afficher, mais il ne veut pas le télécharger. Mais tu peux le faire à partir de là. Pourquoi il n'écoute pas ça? Je dis quand c'est fini. Qui? Sa camarade. Bon, je vais lui demander. Peut-être qu'il y a un cause sur le moment. Le truc de traité. Si. Parce que sinon, la salle où on va là, si jamais là-bas. Non, si, mais c'est déjà quand il faut qu'un projecteur, deux. Il faut qu'il y ait une connexion Wi-Fi. On laisse tout ici ou quoi? Non, on laisse rien. Il y a d'autres personnes qui viennent occuper la salle. Il y a un petit sac qui se promène ici, avec le GSM dedans. Yes. Comment il s'appelle là? Où c'est Vincent? Oui, elle a oublié. Ah. Tiens, c'est sur le même étage ou bien en bas? Attends. On demande le téléphone. Hein? De quoi? Ça, c'est...
Ah, c'est pour l'organisation. Hein. Donc, on est sympa. Parce que je vois ton chargé dessus. Oui, c'est moi. Où est le power bank, là, le deuxième? Ah, parce que tu as pointé ça. On doit changer de salle, donc je vais pour quelques minutes interrompre le live. Ou du moins, on n'aura pas des images pour les deux prochaines minutes. Cédric und Philosophie. Moïse, oui. Vous avez besoin de quoi? Ah oui, attends. Le live reprend dans quelques minutes, dès qu'on est installé dans la nouvelle salle. C'est pas parce que je me calme que tu vas continuer. C'est pas parce que...